Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie Art Create Love. C'est une nouvelle compagnie pour moi et c'est des nouveaux produits. Je vais déballer avec vous puis je vais vous raconter. Je vais vous montrer tout ça et après ça, on se retrouve en facecam parce que vous le savez, un partenariat avec moi, vous savez ce que ça veut dire. Donc, restez avec moi et on va regarder ça ensemble. Art Create Love. Pour vrai, j'ai hésité quelques jours avant de leur dire oui parce que elles ont dit qu'ils font c'est de la peinture par numéro. Moi, là, j'en ai jamais fait. En fait, j'en ai peut-être fait quand j'étais très petite. Puis, à mon souvenir, ça n'avait pas été super génial. Et je sais pas si je vais être capable de le faire. Puis de toute façon, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de faire une vidéo quand moi, j'ai tenté l'expérience. Puis que ce soit un flop ou une réussite, mais je vais pouvoir partager cette expérience-là avec vous. Donc, ça c'est cool. Ça vient en... C'est vraiment une toile. C'est ça, c'est très différent de ce que moi, j'ai eu par le passé. Donc, je vais vérifier pour avoir tout. OK! Ah, c'est quand même assez... Oh wow! OK. Bon, on vient ici, on a un ensemble de pinceaux. On a ici, là, c'est un tout petit point de pinceau, une petite pointe, un plus large, puis une autre petite pointe, mais un petit peu plus longue. Vous savez, déjà à quel point que j'ai pas vraiment l'expérience de savoir comment ça s'appelle. Ici, c'est probablement des attaches pour venir mettre la toile, avec des petites vis. OK, c'est cute, ça. Bon. On a les couleurs ici de peinture. Fait qu'on a du noir, du mauve, du brun, du bleu, du rouge, du gris, blanc, brun, brun clair. OK. Avec les numéros qui sont sur les pots. OK. Fait que j'ai 10 couleurs. OK. Fait que là, je l'ai ouvert. On va regarder l'image. Ouf! Je me souviens plus, en fait, des images que j'ai choisies. OK, attendez. Je vais regarder ici. Ah, OK. Bon, ici, ils disent les explications sur comment faire la peinture. Là. OK, ils disent... attendez. OK. Ce qu'ils disent, c'est appliquer... Appropriate paint according to the... Ils disent appliquer la peinture avec le numéro correspondant. This product can only contain all revealing. OK. Ce produit contient tous les accessoires qu'on peut avoir, dont on a besoin pour faire un voyons. Un cadre, voyons, excusez, ça a pris du temps. OK, ils peuvent pas garantir la qualité du produit parce que c'est loin. Il faut qu'on suive le bon, bref, c'est de la peinture acrylique. Ah, ça, cette section-là, c'est important. C'est de la peinture, ça, acrylique, peinture, ça sèche rapidement. Il faut absolument refermer le pot après pour ne pas mélanger les couleurs. Si la peinture acrylique est sec, on peut ajouter une ou deux gouttes d'un light agent, mais qui n'est pas inclus. Mais tu peux rajouter un petit peu d'eau. 2-3 gouttes d'eau pour pouvoir la faire bouger. Bref, en tout cas, je verrai selon l'expérience. Fait que la toile, c'est vraiment une toile. En tout cas. OK. Je pensais que j'allais... Ah oui, j'ai l'image. Fait que ici, ça, c'est le dessin. Mais là, je suis contente parce que moi, j'avais peur. Honnêtement, ce que j'avais peur, c'est qu'il aurait fallu que je mélange les couleurs. Tu sais, s'il m'avait dit mélanger genre 3 gouttes de noir avec une goutte de 2, là, ça, oublie ça, j'aurais pas été capable. Fait que ça,
C'est ça l'image de celui que je viens de vous montrer. Il est un petit peu... Mais je voulais vous montrer comment elle était belle. Vraiment cute. J'ai pris des dessins que je trouvais vraiment beaux là, sur le site. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choix. Puis je les ai pris en petit format. Puis je leur ai demandé spécifiquement de m'envoyer au moins deux produits parce que je fais toujours des tirages. Puis ils ont accepté. Fait que ça, c'est le premier des deux... la première des deux toiles. Là, comme je ne veux pas mélanger les couleurs entre les deux toiles, je vais le remettre dans la pochette. Même image. Ah oui. Ah. OK. Bon. Ensuite, la deuxième image. Donc, l'autre toile. Pour vrai, je suis vraiment contente. Je ne pensais pas que ça allait être de la vraie toile. J'ai pas pris le temps de regarder d'autres vidéos de cette compagnie-là. Parce que je ne suis pas la première. Je sais que je ne suis pas la première à qui envoie des... Oh, regardez, les pinceaux sont noirs dans ce set-là. C'est encore le même... Une large, puis deux petites, avec les deux crochets. Bon. Donc, les couleurs, ils ont l'air un peu dans les mêmes styles. Ici, il y en a 9 couleurs. On va les retourner pour qu'on puisse bien les voir. Du orange, du rouge, du crème, brun, un peu caramel. Brun, noir, ouais. Pour vrai, je me souviens pas des images que j'ai choisies. Ah, oh, je pourrais regarder. Hey! Okay. Ah non, c'est à l'intérieur, c'est vrai. Je pensais qu'il ne m'avait pas donné le papier avec l'image. OK. Ah, oh, celle-là, il y a plus de grands espaces de même couleur. Peut-être que celle-là va être plus facile à faire. Comme ça, c'est... C'est particulier parce qu'on voit pas l'image quand on regarde juste comme ça, là. Fait que j'allais vous montrer l'image ici. Oh, wow! Oh, wow! OK. Pour vrai, mon Dieu, je suis satisfaite de mes deux images. Elles sont vraiment belles, les deux. Fait que la danseuse en rouge, puis la petite fille qui regarde je sais plus quoi, là. La petite fille au cœur, parce qu'il y a un petit cœur dans le coin de l'arbre. Puis la danseuse en rouge. On va se retrouver en face à face. Fait que c'est vraiment... Ah, oh, c'est vrai, je vais vous prendre la mesure que vous ayez une idée de la grandeur, parce que comme je vous ai dit, comme je vous le dis souvent, je partage avec vous, hein, mais vous le savez, en fait. Et où mon tape à mesurer? Je prends ici. Donc, l'image fait... c'est 20 cm de large par 20 cm de haut. Donc, c'est des images 20 par 20. Fait que c'est vraiment de la toile, là, de la toile d'artiste. Fait que c'est drôle parce qu'on dirait que... Ah oui, OK. C'est ça, c'est comme ça qu'on la voit, mais on, pour vrai, comme ça, on voit pas c'est quoi, là. C'est vraiment les petites images comme ça qui peuvent nous les montrer. Donc, je vous reprends en face à face. Donc, j'ai hâte de tenter l'expérience de la peinture à numéro. On dirait que j'avais des appréhensions au début, mais là, vu que j'ai pas besoin de mélanger deux couleurs ensemble, ça me va. J'ai moins peur. Donc, pour vrai, de toute façon, quand je vais sortir le stock pour pouvoir la faire, je m'installe avec la caméra pour que vous puissiez voir la même chose que moi, dans le fond. Ben, pas la même chose que moi, parce que je mettrai pas la caméra entre moi puis la peinture, mais je vais la mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir comme, en tout cas, le processus. Et on verra ce que ça va donner. Mais avant de faire ça, il faut que je fasse mon concours parce que c'est vous qui allez choisir laquelle que vous voulez gagner. Puis encore une fois, je donne le choix. Donc, la petite fille avec le cœur ou la belle danseuse rouge. Donc, c'est à vous de choisir laquelle des deux vous intéresse si ça vous tente de participer et d'essayer vous aussi l'expérience de la peinture par numéro. Donc, mes concours, c'est pour les gens du Québec seulement. Question de frais de poste. Puis, c'est ça. Fait que vous avez jusqu'à cette date-ci pour participer au concours.
Et puis, ah oui, je voulais vous dire aussi que Art Create Love m'a donné un 10%. Oui, un 10% de rabais pour vous. En fait, je ne suis pas certaine si c'est 10% ou 5%, mais d'après moi, c'est un 10% parce que le code, c'est D majuscule IA, DIA, 10. Fait que d'après moi, c'est un 10% de rabais. Je vous le confirme ici. Dans le bas de l'écran. Si c'est pas ça, je m'en excuse. C'est soit 5 soit 10%. Mais comme il y a un 10 dans le nom, d'après moi, c'est 10% de rabais. En tout cas, selon ma logique. Donc, DIA 10 pour un rabais sur la boutique de Art Create Love. Le lien de la boutique et le lien des deux toiles se retrouvent sous ma vidéo. Comme ça, si jamais vous gagnez pas puis que vous voulez quand même participer. Si vous voulez calme, si vous avez déjà. Oui. OK. Si vous avez eu un gros coup de cœur pour la toile et que c'est pas vous qui l'a gagné, ben vous avez la chance, ben l'opportunité ou l'occasion d'aller vous l'acheter vous-même sur le site. Puis en plus, vous avez un petit pourcentage de rabais. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez les arts créatifs, les loisirs créatifs, tu sais, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!